beau bonjour à toutes et tous. Voici en quelques mots ce que cet ange peut nous accorder et ensuite la prière à cet ange. L'ange numéro 48, Michaël. Ange régent des énergies lunaires au sein du cœur solaire. Il oriente la vie matrimoniale, la vie des couples, et est l'agent fécondant par excellence. On peut l'invoquer lors de problèmes liés à la fécondité, mais on peut aussi lui demander son aide pour trouver consolation après le décès d'un proche ou pour effacer les conséquences d'une ancienne relation. Si votre couple bat de l'aile, que vous ne vous comprenez plus, ou la patience s'étiole, l'ange Michaël vous viendra en aide. Les personnes qui ont cet ange pour gardien pourront établir des rapports harmonieux et profonds avec le sexe contraire. Prière à l'ange Michaël. Le cœur lourd de blessures, je te demande aujourd'hui de me venir en aide. Je suis prêt à accueillir l'amour véritable en moi, à le faire grandir, à le ressentir, à le partager. Puisses-tu me montrer le chemin de la guérison de mon cœur sacré? Apaiser mes blessures et m'ouvrir à l'amour véritable, loin des doutes, des peurs et des conflits. Ange Michaël, permets-moi de transmettre la vie. Fais que tout fleurisse autour de moi et dépose en moi la bonne graine afin que tout ce qui germera en moi soit digne de ton regard et du regard de l'Éternel. Je te demande de déposer entre mes mains la baguette magique qui trouve les sources d'eau profonde pour que je puisse faire jaillir dans la terre, souvent aride des humains, tonneaux divines qui émanent du feu créateur et qui produira la fertile et féconde abondance en tout, partout et pour tous. Je suis prête à recevoir ta guidance divine. Merci de me montrer le chemin. Reçois toute ma gratitude. Que l'amour et la lumière guide chacun de mes pas.